Aquitaine. Laissez-moi vous présenter Messire Eudes de Vasconie. Dans la cour adverse, laissez-moi vous présenter un tout jeune chevalier, Messire Lodaric de Gélone, prince de Septimanie. La force de l'esprit et le courage surmont. Notre belle assemblée se voit ravir d'accueillir un jeune prince. Bienvenue à vous, Séon, noble chevalier. Chante dame, noble sire et 12 enfants. Représentant officiel de la couronne de France, Messire Lothair de Luzerne, seigneur de Londres. Grand général de nos armées. Un général de nos armées pour régenter un royaume, afin de défendre votre honneur, Vanguard. Sois salué et encouragé comme il se doit. Ayant traversé moult contrées, présent parmi nous, représentant officiel de la couronne de Bretagne, Messire Erwan de Tonkalec. Victorieux de la Lance d'Or, 64 tournois, 64 victoires, aucune défaite à son actif. Un véritable champion, un véritable seigneur de guerre, saluons Erwan de Tonkalec. Noble chevalier, j'ai hâte de vous voir en découdre. Fort bien. Chevalier, laissez-moi vous rappeler que l'enjeu de ce tournoi n'est ni plus ni moins que la suzeraineté de ces terres. Le vainqueur deviendra notre nouveau souverain. J'attends donc de vous, lors de ce tournoi, sous les yeux de notre Seigneur Tout-Puissant, dignité et honnêteté. Fort bien. Chaque chevalier joutera en 3 assauts respectifs, selon l'ordaine de chevalerie. À bâton rompu et à plus d'une coudée, il devra faire choir son adversaire. Écuyer, que l'on arme nos chevaliers d'une targe et d'une lance. Et qu'ils se préparent à jouter contre écus sonnants et trébuchants. La justice tranchera en faveur du plus digne et du plus grave. Alors Dieu aura jugé, si Dieu en a décidé. J'appelle donc pour le premier assaut, représentant officiel de la couronne d'Aquitaine, Messire Eudes de Vasconie. Un tout jeune adversaire se présentera à lui. Messire Lodaric de Gélone, prince de Septimanie. Chevalier en place, laissez, allez. Une lance brisée pour Messire d'Aquitaine,
qui en perd sa targe et sa lance. Que se passe-t-il, monseigneur? Vous souhaitez en découdre à l'épée? Eh bien, soit. Que cet assaut se termine donc par les armes. Et si Lodoric de Gélone souhaite également continuer ce combat, qu'on l'arme prestement. Hardi chevalier! Hardi chevalier! N'en faites point trop non plus. La victoire de cet assaut revient à Messire Lodoric de Gélone. Acceptez la défaite, monseigneur, acceptez la défaite. Et déclarez forfait, c'est tout à votre honneur. Fort bien. J'invite donc Messire Lodoric de Gélone à reprendre les armes. Qu'il soit salué par notre belle assemblée. Messire de Vascovi, je vous invite à quitter le champion prestement. Deuxième assaut, j'appelle en lice le général de nos armées contre Erwan de Tonkalec. Chevalier en place, laissez, allez! Une lance foudroyante qui désarme monsieur Erwan de Tonkalec. Et oui, le général de nos armées a une main de fer, une poigne redoutable. C'est tout à son avantage. Saluez votre adversaire comme il se doit. Saluez votre adversaire, Sir Erwan. Oui, allez rendre les honneurs. Allez rendre les honneurs à votre général, comme il se doit. Quoi de forfaiture? Évêque, qu'est-ce que ceci? Que se passe-t-il? Je votre arme. Aux armes! Aux armes, messieurs, le fer, aux armes! Pardis, chevalier! Barde de bon à rien! Arrêtez! Stop! Poussez-vous, bande d'empotés! Vous n'êtes que des empotés! Vous m'ennuyez! Partez! À moi la parole. Les peuples d'Andilly, vous qui m'avez banni il y a quelques années, condamné au cloître, moi, duchesse de Bourgogne, et amené avec moi un mien petit cousin ou neveu, bref, il va combattre, vous combattre en mon nom, et il y a fort à parier que ce sera lui le grand vainqueur de ce tournoi. Lui que vous mercenaire. À votre solde, il n'est point chevalier et ne peut combattre en ces lieux et en ces liesses. Si fait, voyez, j'ai ici même, d'ailleurs par là, j'ai ici même ces lettres de noblesse, dûment signées, il est autorisé à participer à cette liste. Oui. Tout ceci n'est que forfaiture. Effacez ci, qu'en pensez-vous, Van Jean? Oui. Vous pouvez huer, conspuer, il reste néanmoins trois chevaliers en lice au titre, pour le titre de régent. Le tournoi continue. Eh bien, soit si le tournoi continue, nous n'avons encore notre dernier mot à dire. Cessez ce regard hautain, baissez les yeux devant notre belle assemblée. Tous ces pectoraux. Crassez-lui à la figure, c'est tout ce qu'il mérite.
Messire Erwan de Tonkalec, Messire Odaric de Gélone, relevez-vous le défi, messeigneurs. Alors, chevaliers, allez vous armer, prestement. Force et honneur. La justice tranchera en faveur du plus digne et du plus brave. Encourageons Sire Lodaric, prince de Septimanie. Et conspuez ce traître, ce fourbe d'Adalbéron. Conspuez ce traître. Noble chevalier pour le Normandie en place. C'est mascarade d'Adalbéron. Prenez place restement sur la lice. Je vous garantis qu'il va triompher. Laissez. Allez. Hardy. Désarmé. Mets la pointue. Alors, monseigneur.